Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un vlog à Rome. C'est parti. Je suis ici avec Flyboat. En fait c'est un assistant virtuel de voyage qui... qui vous permet de simplifier totalement vos réservations. En fait vous les contactez via Messenger et eux, ils s'occupent de vous trouver les vols au meilleur prix, les hôtels au meilleur prix, tout ça via l'application Messenger sur Facebook. Donc vous discutez avec eux et vous leur dites par exemple, moi j'ai 70€ de budget pour mon vol, trouvez-moi le meilleur plan, et ils vous trouvent tout. Donc c'est super pratique, c'est super bien pensé. Donc je voulais absolument vous parler de cette entreprise, puisqu'en plus c'est une entreprise française. Donc voilà, merci beaucoup Flyboat de nous avoir organisé ce voyage. Eux ils se sont occupés du coup du vol et de l'hôtel. Et nous, là, on choisit les activités que l'on veut faire. Je pense qu'on va quand même prendre un guide audio pour chaque lieu qu'on veut visiter. Comme ça, on aura vraiment toute l'histoire du lieu et ce sera bien plus pratique pour nous. Et sinon, on est ici pour 5 jours à peu près, 4 nuits. J'ai trop hâte, il va faire super beau, ça va être vraiment trop cool. Donc, mes cheveux encore. Donc, c'est parti pour le vlog. Et donc, pour toutes celles qui se posent la question, oui, je suis ici avec mon amoureux. Mais je sais pas si je vous montre maintenant, peut-être plus tard, on verra. En tout cas Dodo il est très mignon. On est à l'hôtel Rome Times Hotel. C'est un hôtel vraiment dans le centre, donc trop cool, le petit déj était super bon. Et là on se dirige vers la fontaine de Trevi. Et c'est trop beau. C'est ouf, regardez. On avait un guide qui nous a tout expliqué, toutes les statues, tous les tableaux, les tapisseries. C'était vraiment super intéressant. On a acheté nos places à la boutique du Vatican. Donc ça coûtait 42€ par personne, je crois, avec le tarif étudiant. Et vraiment, on a une découverte complète de tout le site. Donc super intéressant et ça dure à peu près 2 heures. C'est assez long, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'au moins, on a vraiment tous les détails. On est vraiment au courant de toute la signification, de tout, donc trop intéressant, super cool. Et là je suis là, sous le choc, c'est tellement grand, c'est ouf. Trop content d'être là, c'est trop beau. Majestueux. Hello,
Donc aujourd'hui, visite du Colisée. On a pris un guide audio encore, puisqu'il y en a certains qui aiment l'histoire. On attend le guide qui nous explique tout, c'est très très intéressant, mais ça dure vraiment très longtemps. On suit le coup. Donc comme vous pouvez voir, l'arène, donc là où avaient lieu les jeux, les combats, tout ça, c'était à ce niveau là, donc juste là. Et en fait ils ont reconstruit une partie puisque tout était démoli à cause des incendies, des inondations, tout ça. Donc il y avait une partie du Colisée qui a été détruite. Mais voilà, les combats avaient lieu là. Et notre guide nous disait qu'il y avait souvent des animaux comme des éléphants, des lions qui se battaient également avec les hommes. Donc ça devait être terrible, vraiment terrible. Pourquoi il y a plein de... On l'a perdu. Oh là là, je sens qu'on va rester ici 100 ans.